Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la superbe chanson de Michel Legrand, Paris Violon, voilà, sur des paroles d'Eddy Marnay en 1965. Alors, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas une chanson du tout tonalement pour moi, le spectre, voilà, ne me convient pas du tout, mais cependant, je vais tout de même vous proposer, voilà, un guide, bien sûr, que vous aurez en référence, et un tutoriel. Alors pour ce faire, car je n'ai pas le choix, j'ai commencé donc par une tonalité facile, bien entendu, do, mais on va être contraint de monter d'un demi-ton, quasiment aux deux tiers de la chanson. Donc dans tous les sens, entre guillemets, on aurait été quand même, nous aurions quand même, on ne peut pas éviter les difficultés. Donc au moins pour l'aller deux tiers de la chanson, eh bien vous allez l'avoir dans une tonalité facile, donc c'est-à-dire do majeur. Donc, ce que je vous propose en revanche, c'est de prendre connaissance de la manière dont moi j'ai été contraint donc de faire. Donc ici nous avons donc on va transposer là le clavier, n'est-ce pas? Comme je le fais souvent. N'oubliez jamais qu'il faut toujours regarder dans tous mes tutoriels la description, c'est toujours indiqué. Donc ici vous avez les deux repères, vous avez le do central, si demi-ton en bas, si demi-ton en haut. N'est-ce pas? Donc ici, nous, on va être quasiment, carrément à moins 6. Voilà. Donc au fa dièse du bas, c'est-à-dire qu'on va descendre un ton, deux tons, trois tons. N'est-ce pas? Chaque note représentant un demi-ton. Donc un ton, vous, c'est peut-être de manière digitale, hein, tout est possible. Il y a pléthore de claviers, de modèles. Bon, ici, c'est mécanique, c'est un vieux clavier. Donc le clavier s'est décalé de trois tons dans les graves. N'est-ce pas? Entendez que si vous voulez être en accord, je vous le dis pour par acquis de conscience, avec Michel Legrand, si vous l'écoutez sur des plateformes, il chante à plus 2, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, entre guillemets, nous avons, parce que je pourrais être à plus 6 également, donc vous voyez, on a deux tons d'écart, voilà, deux tons d'écart dans les graves. Alors, évidemment, pour moi, c'est très important, puisque je suis baryton Martin et très limité, donc. Entre guillemets, vocalement. Mais ça n'a aucune importance, je ne suis pas là pour faire des performances, je suis là pour avoir le bonheur de chanter avec vous, voilà, et de jouer en même temps. C'est formidable. Donc, de temps en temps, entre les trois voix que nous avons, la voix de poitrine qui est la plus basse, la voix de gorge, voilà, qui est la voix, somme toute, d'expression la plus modulée, et la voix de tête, je vais alterner, certainement pas en voix de tête, mais entre voix de poitrine et voix de gorge. Mais on va voir ça ensemble au cours de comment dire, du tutoriel. Alors, la rue de l'Arpe et la contrescarpe, à l'heure où les jours se fait vieux. Vous voyez la tierce de la quinte du ré mineur. Vieux. Eh bien moi, à l'heure où le jour se fait vieux. Vous voyez, vieux et vieux. Ouais, je chante au-dessus, sur l'octave du dessus. Donc voilà, à chaque fois, vous allez pouvoir prendre vos marques ainsi. Donc, vous avez plusieurs offres. Moi, je vous ai proposé quelque chose de modérément, j'allais dire, en arpège, pour d'ornementation dans le guide. Mais vous allez pouvoir, si vous avez la possibilité de faire des arpèges, voilà, voyez-vous, sur l'introduction, eh bien, vous pouvez faire des arpèges sur do majeur. Voilà. Mais sinon, je vais vous montrer la chanson à plat, car c'est une valse. Voilà. Donc, on va regarder ensemble, pas à pas, comment vous pouvez faire pour être au plus simple. Alors, la rue de l'Arpe, do majeur. D'accord? Do, tonal, tierce majeure, quinte, do, mi, sol. On peut faire plus simple. Hein. Là, donc, le chant est là. La rue de l'Arpe, d'accord? Ensuite, et la contrescarpe. Alors, qu'est-ce donc que cela? Eh bien, c'est un fa dièse diminué septième. Gamme de fa dièse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce, quinte, majeure et la septième. La diminuée septième, on diminue la tierce, on diminue la quinte et on diminue la septième. Ensuite, je renverse pour faire des arpèges. Si vous voulez faire des arpèges, je renverse la tonale ici. Je renverse, j'allais dire, le la ici, la tierce. Et je me retrouve, voyez, avec la grande facilité de faire des arpèges. Donc, en frappant, c'est ce que vous voyez dans le guide, la note tonale qui est de fa dièse.
Donc, vous voyez, ça nous donne. N'est-ce pas? Donc, la rue de l'harpe et la contrescarpe. Mais vous pouvez très bien faire ça. Hein. Ce sont des renversements, tout simplement. Hein. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est-à-dire que à chaque fois, ici, je lance la tonale, je chante chaque note au-dessus. C'est des procédés très simples, hein, mais qui sont assez efficaces pour orner une chanson, hein, voilà, se faire plaisir. Donc je reprends. La rue de l'harpe et la contrescarpe, fa dièse diminuée septième, à le ré mineur, mi mineur, pardon, septième, donc mi mineur en bas, donc mi, do, ré, mi, bien sûr, tierce mineure, quinte majeure, et la septième, gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce majeure, tierce mineure, n'est-ce pas? Le sol et la tierce mineure, la quinte majeure avec le si, et ré, nous avons la septième. Donc je reprends, la rue de l'harpe, vous pouvez mettre la majeure septième si vous voulez, hein, et la contrescarpe. Voilà, vous pouvez jouer de manière fondamentale comme je vous l'ai montré, comme cela, ou avec des arpèges. Comme bon vous semble, hein. C'est selon vos possibilités. Voilà. Donc je reprends. Alors, vous pouvez également faire un renversement. Oui, tiens, donc, le renversement du mi mineur septième. Le mi, la tonale, je la mets au-dessus. La tierce, je la mets au-dessus. Je garde la quinte et je garde la septième. Voyez-vous? À l'heure ou le jour. Ce qui vous permet d'être très proche, voyez-vous, de la prochaine harmonie qui se trouve être la septième. Gamme de La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce majeure, quinte, septième. N'est-ce pas? Donc vous voyez, le mi mineur septième, où le jour se fait. Donc je reprends ré mineur septième. Donc tonale, tierce mineure, gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce mineure et non pas majeure, n'est-ce pas? La quinte, donc avec le Fa, Ré, Fa, La, et Do, avec la septième. De la même manière, si vous en avez envie, bien sûr, hein, eh bien vous pouvez renverser, vous voyez, la tonale, renverser la tierce, garder la quinte et la septième, et c'est toujours Ré mineur septième, hein. Voilà, ça fait de beaux arpèges aussi, hein. Enfin, je reprends, on y va pas à pas. Pour le moment, on a un point de valse pour le moment, hein, bien sûr, puisqu'on est dans l'introduction. La rue de l'harpe et la contrescarpe, voilà, et la contrescarpe. À l'heure, mi mineur, où le jour surjour, la septième se fait vue. Voilà, peut-être bien d'aérer un peu dans le voicing, comme disent les anglo-saxons. Le Ré mineur septième, comme cela. Ensuite, s'offre des musiques. Donc Ré mineur, tout de go. Vous descendez simplement, vous gardez la tierce et la quinte. Appliez boutique. Alors, si on regarde techniquement parlant, c'est Ré mineur, majeur septième, n'est-ce pas? Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième et la tonale. Pour trouver une majeure septième, c'est toujours très simple. Je sais que je suis un peu itératif, je me répète dans tous mes tutoriels, mais c'est quelque chose de... C'est une astuce très importante à connaître. Pour trouver le majeur septième, c'est très simple. Et la septième, elle est toujours un demi-ton au-dessous de la note tonale. Et un demi-ton en-dessous, c'est la septième, dans toutes les tonalités. Vous voyez, donc, majeur septième, septième. Vous ne pouvez pas vous tromper, n'est-ce pas? Et là, on a bien sûr la note tonale. Et si on prend n'importe quelle autre tonalité, ce sera la même chose. Donc je reprends. S'offre les musiques, appliez boutique, donc c'est le renversé. N'est-ce pas? Vous voyez? Vous suivez avec la main gauche, avec Do dièse, n'est-ce pas? Donc ensuite, ça revient à Ré septième, n'est-ce pas? Il suffit très simplement un Ré mineur septième, 1, 2, 3, vous voyez? 1, 2, 3, très simple. Donc, s'offre des musiques. Sur appliez boutique des musiques. Et là, sol, septième, tonale, tierce, quinte, septième, gamme de sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur, septième, octave, septième. Donc tonale, tierce majeure, quinte majeure, septième. À fermer
l'occurrence, ça paraît difficile, mais c'est rien du tout. Affaire, donc affaire, mais les yeux. Donc, ou alors on peut aérer, hein, donc je reprends. S'offre des musiques, happy et boutique, des musiques. Ah, des musiques. Je reprends. S'offre des musiques, happy et boutique, des sur des musiques. Musique, sol septième. Alors là, vous pouvez l'aérer, hein, à faire, ré mineur, mais les yeux. Alors si vous le faites rapidement avec un renversé, à faire, mais les yeux. Vous voyez? Donc, ré mineur septième, renversé, sol septième tout court, tout de suite en après, et évidemment, et vous résolvez sur do majeur septième renversé. La tonale ici, renversée, la tierce ici, vous gardez la quinte et la majeure septième. Donc, bam, bam, bam. Vous voyez? Ou alors, ce que je vous dis, des musiques, sol septième, à fermer les yeux. Ou alors, encore beaucoup plus simple, vous allez en oublier un au passage, s'offre des musiques, à plier boutique des musiques, à fermer les yeux. Vous faites aucune harmonie, vous chantez simplement et vous terminez sur Dieu à do majeur septième, d'accord? C'est une option comme ça, vous avez de quoi rentrer un peu plus dans l'harmonie ou pas, d'accord? Je reprends les deux lignes, la rue de l'harpe, do majeur septième, et la contrescarpe, hein, vous pouvez jouer plus haut aussi, hein, vous voyez, sur l'octave du dessus, hein, et la contrescarpe, ré mineur, mi mineur septième, à l'heure où le jour la septième se fait vivre. Ré mineur septième. S'offre des musiques à plier boutique. Donc là, on est bien d'accord avec la majeure septième. Ré mineur septième renversé. Des musiques à fermer les yeux. Donc, je reprends. À ferme, ré mineur, sol septième. Do majeur septième. D'accord? Donc là, il y a plein d'options possibles, hein, bien sûr. Hein. À fermer les yeux. Vous voyez, il y a aussi ça, évidemment. Hein. Donc, ré mineur septième, mais, vous voyez, les yeux. Bon, au plus simple, ou alors, je dis, si c'est un peu trop difficile, fermez les yeux. D'accord? Do majeur. Les rues. Les rues, mi, tonale, tierce, quinte, septième. Les rues se changent en jardin. La mineur. Facile, hein? Les marronniers, sol, tonale, tierce, quinte, en musicien. Re, do majeur, septième. Alors là, Paris, donc si, gamme de si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce, quinte. Tierce majeure, quinte majeure, donc on a si, on a mi bémol, on a fa dièse. Paris, Verlaine, aux sanglots. Alors, long, mi mineur. Alors moi, évidemment, je modifie un peu. Paris, Verlaine, aux sanglots. Paris, Verlaine, aux sanglots longs. Et je prends plutôt voix de, non pas de voix de gorge, mais voix de poitrine, plus bas. D'accord ? Paris, Verlaine, aux sanglots longs. Alors là, on peut bien sûr faire ça, mais au plus simple, par exemple, hein, Paris, Verlaine, aux sanglots longs. Alors, donc, tout simplement en plaquant, 6 septième, avec la septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeur septième, octave, donc avec le La qui est la septième, Paris, Verlaine, aux sanglots longs. Refaire un mi mineur septième renversé, hein, ou nature comme ça, hein. Paris ce soir, alors à l'intérieur, donc le La, tonal tierce quinte avec le La, Paris ce soir se fait violon, donc je reprends, Paris ce soir se fait violon, donc
sol, résolution sol avec quinte augmentée. D'accord ? Les volons. D'accord ? Voilà. Donc la tonale, la tierce, la quinte augmentée. Alors je renverse avec la tonale pour faire un arpège par exemple là. Et là, Paris violon, on sera en ré mineur, mais c'est vraiment, c'est facile. Hein. Donc je reprends, la rue de l'harpe, do majeur septième, et la contrescarpe, fa dièse diminuée septième, à l'heure, mi mineur septième, où le jour, la septième, se fait vivre, ré mineur septième, s'offre des musiques, ré mineur, habillez boutique, avec la majeure septième, avec do dièse, D, avec, donc ré mineur septième renversé, musique, sol septième, à faire, ré mineur, sol septième, les yeux, do majeur septième, les rues, mi septième, se changent en jardin, la mineure, sol, les marronniers en musiciens, do majeur septième, Paris Verlaine, au sanglot long, mi mineur, Paris ce soir, vous voyez, je suis battu là, Paris ce soir se fait bien, non, pas bon, donc vous voyez, si je m'entête, à, si je puis dire, à chanter voix de gorge, c'est pas bon. Donc, je suis obligé de descendre sur voix de gorge. Mais vous, c'est sans doute pas votre cas, hein. Peut-être, je ne sais pas, j'ignore. Moi, j'essaie de faire quelque chose d'universel, voilà. Mais avec, évidemment, mon seul instrument, voilà, que je ne peux pas camoufler, c'est ma voix que vous entendez. Donc, et je fais ce qui reste, comme l'on dit. Paris, Verlaine, au sanglot long. Vous voyez, Paris, ce soir, là. Se fait violon. Donc, sol septième. Et là, Paris, Paris, Paris. Alors voilà, Paris, violon, violon. Voilà, je songeais à autre chose. Enfin, donc là, Paris. Voilà les deux notes qui commencent. Paris, violon. D'accord ? Donc là, Paris, ré mineur. Alors, ré mineur, on va le renverser. Voilà. Paris. Donc, pour la valse, premier temps. Est-ce que, voilà, sur la valse, c'est trois temps. C'est pas donc, je vous montre. Pas 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. Ou alors, vous allez pouvoir aussi, sans faire 1, 2, 3, si je puis dire, mais si, en faisant 1, 2, 3, mais en plaquant tout simplement Paris, violoncelle, d'accord ? Paris, garçon, Paris, jouvencelle, j'ai ta chanson au cœur qui chancelle, comme un ballon sur une nacelle. Vous voyez, je vous prouve que vous pouvez très bien chanter en plaquant seulement les accords. Maintenant, si vous voulez, alors juste à un doigt sur un temps, d'autant que la chanson est vraiment lente, il faut la ralentir. Hein. Paris, violoncelle, c'est-à-dire vous ne faites pas la quinte, la bascule de la quinte que je vais vous montrer après. Vous jouez juste la note tonale. Là, on est sur ré mineur, et bien vous jouez seulement la note tonale à un doigt, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ou alors, ensuite, vous avez le mode d'expression un petit peu plus élevé, qui est à dance, qui est de jouer la quinte renversée. Donc nous sommes en ré mineur, donc la tonale, la quinte, et on va renverser la quinte.
voyez-vous? Donc ici, en l'occurrence, c'est le La, donc Ré et La. Pam, 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 pam. Eh bien, la quinte est renversée en bas. Pam, 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 pam. D'accord? Paris, 1, 2, 3, violon, 2, 3, Paris, violoncelle, 2, 3. D'accord? 3, 1, 2, 3. Pareil sur sol, voyez-vous, sa quinte, je la bascule en bas. Voyez-vous? Et il en va ainsi pour pouvoir faire le tempo. Donc c'est assez simple, tout, c'est de le réaliser. Voilà, c'est ce qui est sans doute plus difficile. Donc 1, 2, 3, vous pouvez aussi faire simplement, voyez-vous, marquer le temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 1 à la main gauche et deuxième et le troisième temps à la main droite. Bon, maintenant, voyons les harmonies. Maintenant qu'on a éclairé le procédé. Donc, Paris, violon. Sauf que là, si vous accompagnez Paris, violon, Paris, d'accord? Si vous accompagnez, vous faites cela. Violon, Paris, violoncelle, Paris, d'accord? C'est-à-dire que vous restez sur la tonalité, voilà, avec la tierce, la tonale et la quinte renversée. Ou la tonale simplement. Hein. Paris, Paris, violon, Paris, violoncelle, Paris, garçon, Paris, jouvencelle. D'accord? Donc là, allons-y, plaqué. Paris, violon. Donc vous descendez sur. Uniquement avec l'index, n'est-ce pas, sur Do dièse, Paris, violon, d'accord? Paris. Donc on a vu que c'était Ré mineur, vous vous souvenez de cette harmonie, hein, avec la majeure septième, et avec Ré mineur septième. Donc 1, 2, 3, Paris, violoncelle, Sol septième, ensuite Do, Paris, garçon. Donc Paris, Do tout simple, tonal, tierce, quinte. Vous descendez sur Do majeur 7, la majeure 7, hein. Pardon, qui est le Si. Paris, violon, Paris, garçon, pardon, Paris, garçon. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, Paris, 1, 2, 3, Mi mineur, que vous renversez. D'accord, Paris, jouvencelle. La septième, j'éteins, Ré mineur, toujours chanson. Alors si vous plaquez, vous pouvez descendre aussi hein, au cœur. Vous accompagnez somme toute votre index hein, en descendant d'un demi-ton hein, sur Do dièse, Do, j'ai ta chanson au cœur qui chancelle. D'accord? Sol septième, comme un ballon Do majeur, un ballon. Sur une nacelle. D'accord? Donc facile, hein? Vous suivez tout simplement d'un ton Do majeur sur un ballon Ré mineur sur une Mi mineur, nacelle, la septième, vous voyez? Et boum, deuxième couplet, Paris, violon. Même chose, Paris, violoncelle, sous les chansons. Alors vous pouvez, si vous voulez, à la main gauche, accompagner avec la quinte du sol. Paris, sous les chansons, que tu, Mi mineur septième, amoncelle, nous va, Ré mineur, lançons le Do dièse. Sur la balancelle. Alors là, sur la balancelle, et ensuite, qui donne son nom au bord de la Seine. D'accord? Donc là, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Si, Do. On va regarder avec les harmonies. Qui donne son nom, donc qui donne son nom au bord de la Seine. Ré mineur septième, N, Sol septième, N, Do majeur,
je reprends, qui donne son nom au bord de la Seine. Il y a plein de manières de le faire, donc si vraiment, même ça peut vous aider de faire qui donne son nom au bord de la Seine. Ré mineur septième, d'accord avec le sol, vous voyez renversé. Vous pouvez tout simplement plaquer balancelle dans qui donne son nom au bord de la Seine. Vous voyez? Tout simplement, hein? Qui donne son nom au bord de la Seine. Ou alors plus écarté, Seine, sol septième. D'accord? Bon, vraiment plus simple, hein? Alors c'est là maintenant que les choses vont se compliquer, si je puis dire. Donc peut-être que je vous reviens sur le dernier couplet pour que, peut-être en action ralentie, hein. Paris en valse, violon, Paris, violon, sel, sol septième, sous les chansons, donc les do majeur, chansons. Avec Do majeur septième, n'est-ce pas? Que tu, un, deux, trois, mon sel, deux, trois, nous balançons sur la balancelle. Car il est tout à fait possible aussi avec la basse, nous balançons sur la balancelle. Il est tout à fait possible d'accompagner aussi avec la descente de basse, hein. Il y a trop de possibilités, voilà. qui donne son nom au bord de la... Très facile, c'est toute la blanche. Les blanches, vous voyez, Seine, Ré mineur septième, Haine. Quick. Une petite fantaisie. Alors, on va changer de tonalité, nous allons monter, ah là là, en Do dièse. Alors là, évidemment, gamme de Do dièse, c'est gamme de Do, vous voyez. Évidemment, tout se décale d'un demi-ton. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh oui, on a toutes les noires. Donc, évidemment, on va moins rigoler. Mais c'est pas grave, au moins, vous avez quand même déjà... J'ai pas d'autre choix. Hein. Ou alors, vous pouvez très bien continuer sans monter. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que refaire... La 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 la. Vous voyez, tout ce qui va venir, vous changez pas de tonalité. Vous voyez, c'est-à-dire que, comment dirais-je, ça c'est une option aussi. Hein. C'est-à-dire que vous reprenez les mêmes harmonies que l'on vient de voir. Hein. Donc sur tout ce que nous allons chanter maintenant, un demi-ton au-dessus, mais évidemment beaucoup plus difficile avec les noirs. Donc la 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 Paris. La 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 Paris jouvencelle, je sais plus ce que c'était, mais oui, voilà. Mais vous comment dirais-je, vous pouvez faire exactement ça. Mais je vais vous montrer un demi-ton au-dessus, puisque c'est ce que fait Michel Legrand. Donc on va être respectueux. Donc nous avons terminé la scène. Bam. Alors là, la bémol, sol, transition, la bémol, tonal, tierce, quinte. Donc on a la bémol, on a do, on a mi bémol. Eh oui, gamme de mi bémol. Donc 1, 3, 5. Donc 1, 2. Juste d'un demi-ton en dessous. Hein. Là, pour utiliser la quinte, la la. Vous vous souvenez, on était là, la la. Avec ré mineur, hein, ba ba ba. Et bien là, évidemment, puisqu'on monte d'un demi-ton, ça devient la la, n'est-ce pas? Oui, évidemment, la 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 la. Voilà, donc de la la, on est passé à la la. C'est très joli, bien sûr, mais on va regarder l'action. Donc évidemment, toutes les harmonies qui sont les mêmes vont monter d'un demi-ton. Donc le ré mineur, eh bien, il va devenir un mi bémol mineur septième. Sauf qu'il n'y a que des noirs. Donc, gamme de mi bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tonal, tierce mineure. La tierce majeure est ici. Mineur,
n'est-ce pas, la quinte et la septième. Donc on a mi bémol, on a sol bémol, on a si bémol et on a ré bémol. Donc la la. Et alors là, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on renverse la quinte pour faire la valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Là, quelle est la quinte du mi bémol? Eh bien, c'est si bémol. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5 dans la gamme. Donc, effectivement, c'est un peu moins facile sur les noirs. Hein. Donc, la, la. Donc, je vous refais la transition. Donc, la, 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 la. Bémol, 2, sol, la, 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 la. Ensuite, deuxième, donc là, les paroles sont vraiment la, la, hein. La, 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 la. Ensuite, un ri, violoncelle, ben oui, bien entendu, le sol devient un la bémol septième, sol septième, gamme de la bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ton alterce, quinte septième, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on utilise toujours la quinte, hein, faire la valse. Maintenant, si vous y êtes toujours, mais vous n'êtes pas rebuté par l'augmentation de tonalité, eh bien, vous pouvez très bien faire la 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 la, un ri violoncelle, d'accord, la 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 la, un ri jouvencelle, d'accord. Vous pouvez très bien plaquer, hein. Encore une fois, moi je vous dis, ça fonctionne très bien, c'est très très agréable. Il y a moyen, comme l'on dit, de se faire très plaisir. Donc, je reprends. C'est très franc, c'est très plaisir. Énormément plaisir, alors. Je vais modifier. Donc, la, 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 la. D'accord. 1, 2, 3. Un ri, violoncelle, la bémol septième. La, la. Ensuite, ré bémol, bien sûr, puisque c'était do. Donc, ré bémol majeur septième, de do majeur septième. Donc, gamme de do. Évidemment, on est en do dièse, donc ré bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, quinte. Septième. Donc on a do dièse, on a fa, nous avons la bémol et nous avons do. D'accord. Ensuite Paris. Donc ici, donc nous avons fa. Le mi mineur devient un fa mineur septième. Donc gamme de fa, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mais la tierce, ce n'est pas majeur, elle est mineure. La quinte et la septième. N'est-ce pas? Jouvencelle. Là, le renversé du si bémol septième, donc si bémol, gamme, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonal, tierce, quinte, septième. Donc la septième, je la renverse ici, n'est-ce pas? La quinte, je la renverse là, et je garde la tierce, n'est-ce pas? Donc nous avons fa, la bémol, si bémol et ré, avec si bémol, et j'ai bien si bémol septième, mais renversé, beaucoup plus pratique. D'accord? Voilà. Notamment pour faire des arpèges. Enfin, je dis ça au passage. Ensuite, on a mi bémol majeur septième. La bémol, que vous connaissez. La bémol septième. Alors, je reprends. Allez, la transition. Un, la, la. Mi bémol mineur septième. La, la, la. Paris, violoncelle. Mi bémol majeur septième, la 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 la. Fa mineur septième, Paris jouvencelle. La la, mi bémol mineur septième, au cœur qui chancelle. Ré bémol majeur septième, sous les violons, les violons. Mi bémol mineur septième, de tes violons. Sel, fa mineur septième, si bémol septième. Et le. D'accord? Donc. Sous les violons, de tes violoncelles. D'accord, elle, pa 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 pa. D'accord, elle, voilà. Ensuite, évidemment, bah, deuxième couplet, enfin, en do dièse. Paris, violon, Paris. Donc, mi mineur, mi bémol mineur septième, Paris, violoncelle, la bémol septième, Paris, ré bémol majeur septième, néon, au mille, fa mineur septième, étincelle. Ensuite, mi bémol septième, mineur septième, Paris, chanson,
coin des ruelles, la bémol septième, l'accordéon, ré bémol majeur septième, ce soir te fait belle. Fa mineur septième, le te fait belle. D'accord? Résolution si septième, si bémol septième bien sûr. Et là on termine par troisième et dernier couplet, ce n'est que du la la, si je puis dire, enfin, chanter la la la. La la, mais c'est toujours la la. Mi bémol mineur septième, la la, la 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 la. La 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 bémol septième, la 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 la. Ré bémol majeur septième, la 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 la. Fa mineur septième, si bémol septième, la 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 la. Mi bémol mineur septième, la 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 la. La bémol septième, la 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 la, mi, ré bémol majeur septième, la 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 la, mi bémol mineur septième, la 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 la. Alors là, vous pouvez utiliser la gamme de, si vous voulez, hein, de do dièse. Je vous conseille la 9e, d'accord, de ré bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'est-ce pas? Donc là, voilà, ré bémol majeur 7e, 9e. Alors effectivement, on a do dièse, on a fa, on a la bémol, on a do, on a fa, on a la bémol et on a ré dièse. Voilà, ça sonne joli. Comment dirais-je? Donc effectivement, la difficulté, elle se trouve au changement de tonalité, sinon il n'y a pas de difficulté. Alors je vous propose peut-être de refaire la transition. Donc, Paris, violoncelle plaquée sous les chansons que tu amoncelles, nous balançons sur la balancelle. Septième, la bémol septième, la 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 la, d'accord, la bémol sept, ré bémol majeur septième. D'abord, avant, je reprends, pam bam, la 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 la, c'est mi bémol mineur septième, mais il y a un texte là, monsieur. Donc Paris violoncelle, d'accord, c'est pas que du la la. Après c'est la 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 la, ré bémol majeur septième, Paris jouvencelle, Paris. Fa mineur septième, je vous vends sel sur sel. Si bémol septième, la 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 la. Mi bémol mineur septième, au cœur qui chancelle sous les violons. Ré bémol majeur septième, les violons. Mi bémol mineur septième, doté. Fa mineur septième, violoncelle. D'accord? Et ensuite, ça si je peux dire, ça se poursuit. La la, non pas la la, Paris violoncelle. Vous voyez les manières aussi, on peut le jouer, bab néon, aux mille étincelles. Très en tendresse, en douceur, hein. On accompagne harmonieusement une étincelle. Paris chanson, au coin des ruelles. L'accordéon ce soir, on te fait belle. La 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 la. Et si vous êtes resté sur la tonalité, ben vous faites la 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 la. Vous avez compris. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas condamné à rester en cette tonalité, bien sûr que non. Moi, c'est parce que c'est une sorte de compromis. C'est une chanson à trop large spectre pour moi, notamment à cause du début d'ailleurs.
Donc après, ben, vous essayez votre tonalité, hein, vous regardez ce qui vous convient. Je vous rappelle que Michel Legrand chante à qui transpose clé de transposition à plus 2, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, on le fait ensemble, comme il n'y a pas de tutoriel anglo-saxon, voilà, vous voyez, ça donne ça. La rue de l'art et la contrescarpe, vous voyez, à l'heure où le jour se fait vieux. S'offre des musiques à plier boutique, des musiques à fermer les yeux. Les rues se changent en jardin, les marronniers en musiciens. Paris vers les noms sanglots longs. Voilà, Paris ce soir se fait violon. Et c'est fini, je peux plus. C'est pas possible. Voilà. C'était pour vous montrer pour la fantaisie, vous voyez. Mais Michel Legrand, c'est ça. Donc c'est Paris, Paris violoncelle. Évidemment, si je prends en dessous, Paris garçon, Paris jouvencelle. J'ai ta chanson. Vous voyez, je suis tout de suite déjà entre deux, entre gorge et poitrine. Donc écoutez, voyez-vous ce que là où vous en êtes hein, par rapport à votre spectre de voix. Moi, j'ai été contraint pour vous proposer quelque chose, c'est-à-dire, où vous entendiez les paroles, d'être à moins 6. Donc, écoutez, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi avec ces superbes chansons. N'hésitez pas à explorer ma chaîne. Vous trouverez de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons du maître, du merveilleux, du génie. Je n'ai plus d'adjectif. Michel Legrand, voilà. En vous remerciant de votre attention et puis j'espère à tout bientôt. Au revoir, merci.